Si un itinéraire n'est pas déjà enregistré dans le système de navigation, vous pouvez entrer une nouvelle destination en touchant cette icône. Ou vous pouvez toucher cette icône sur la barre de lancement, puis toucher cette icône. Touchez un élément à l'écran pour définir la destination comme suit. Un point d'intérêt de votre choix, l'adresse de votre domicile si elle a été enregistrée, une destination précédente utilisée par le système, une station de recharge ou une variété d'autres options. Certaines options de destination nécessitent que vous saisissiez d'autres critères de recherche. Par exemple, appuyez sur « Rechercher un point d'intérêt » ou une adresse pour saisir de l'information à l'aide du clavier à l'écran. Une fois que vous avez saisi une partie du nom de la province ou de la ville, des suggestions s'affichent à l'écran. Touchez l'une d'elles pour la sélectionner. Vous pouvez également définir une destination à l'aide du système de reconnaissance vocale. Par exemple, appuyez sur le bouton « Parler sur le volant », puis dites « Point d'intérêt », suivi du nom d'un point d'intérêt particulier. Pour modifier une destination après qu'elle a été définie, touchez cette icône sur la barre de menu inférieure, puis touchez « Modifier l'itinéraire » ou « Ajouter à l'itinéraire ». Ajoutez « Destination » ou « Ajouter étape », puis choisissez une méthode de sélection de la destination, par exemple par carte. Touchez l'écran pour déplacer le pointeur en croix vers la nouvelle destination, puis touchez « OK ». Ajoutez à l'itinéraire, puis recalculez. Veuillez consulter le manuel du conducteur Nissan Connect pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.